Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous parler de mon flop 2023. Et je sens qu'on va bien rigoler. En numéro 1, Fast and Furious 10, médiocre. j'ai pas d'autres qualificatifs pour qualifier ce film. Alors, médiocre, je trouve que ça va bien. Expandable 4 en deuxième position. En numéro 3, je mettrai La Petite Sirène. Forcément, et malheureusement, je mettrai aussi Indiana Jones 5, voilà, 5e position dans les flops parce qu'il n'a pas marché au box-office, ça aurait pu être un meilleur film, c'est un bon film. En 6e position, je mettrai The Marvels parce qu'il n'a pas marché non plus de fou. En 7e, je mettrai Shazam 2 parce que c'est pareil, il n'a pas marché de fou non plus. En 8, je mettrai Ant-Man aussi qui est un flop parce que Marvel s'attend à ce qu'il cartonnait plus et ça n'a pas hyper bien marché. En 9, je mettrai Blue Beetle. En 10 aussi, je mettrai Flash parce que même si je l'ai mis dans. Même si certains films, je les ai mis dans mes tops, il y en a, ils n'ont pas du tout marché au box-office. Donc Flash, je le mettrai aussi en 10e position. En 11e position, je mettrai Killers of the Flowers Moon de Scorsese qui n'a pas marché de fou. En 12e position, je mettrai Napoléon qui n'a pas marché de dingue. En 13, je mettrai Hunger Games parce qu'il n'a pas marché non plus. Mission Impossible, je ne mettrai pas en flop quand même parce que ça reste un très bon film. Quel film n'a pas marché cette année? J'ai un doute là, je viens de m'en rappeler. Je suis à 13 films déjà qui n'ont pas marché, qui sont des flops parce qu'ils sont mauvais. Transformers 7 aussi, énorme flop, à 14e position. Et je sais de m'en rappeler des autres. Grand Turismo aussi en 15e position. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai pas d'autres films en tête qui vont pas marcher. Il y en a plein, hein, mais il y en a beaucoup qui ont marché aussi. Et du coup, je m'en veux pas des films qui ont vraiment pas marché du tout. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine.